Deuxième mystère, la visitation. Joie pour tant de grâces reçues de Dieu et la charité fraternelle. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Thank you.
Troisième mystère, la nativité. Un sauveur nous est né. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Quatrième mystère, la présentation de Jésus au temple, l'obéissance à la loi du Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Thank you.
Cinquième mystère, le recouvrement de Jésus au temple, la recherche de Dieu en toutes choses. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Sixième mystère. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
chant qui a été chanté devant sa sainteté le pape François lors des journées mondiales de la jeunesse, lors des journées mondiales de la jeunesse. Voilà, et nous vous proposons de... On vous rappelle les paroles, c'est pas très compliqué. Hein. Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Ça fait trois fois, jusque-là, ça va. Seigneur Jésus, comment ? Comment ? Et on recommence. Super bien chanté. Alors quelquefois c'est comment ne pas te louer, etc. On a l'américain, on a l'africain, on a tout. Nous on va le faire à la vendéenne. Et bien quoi hein. Comment ne pas te louer.
Merci beaucoup. Merci.